Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se lance dans la conquête du Congo central profond. On y revient dans un instant dans ce journal. D'une armée en déliquescence à une armée dissuasive, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait énormément de progrès en termes d'équipement et ressources humaines. Dans ce journal, Giscard Koussema nous décrit cette étonnante évolution des forces armées sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue dans ce journal. Moboma, Mwanda et les bourgades le long de la nationale numéro 1. Les candidats numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continuent sans désemparer sa campagne électorale dans le Congo central, l'étape des Matadi en images à travers ses reportages. Et à la prêt pour tous ces candidatures, on a besoin
la groupe, l'organisation, la Coupe d'Afrique des Nations. Sali n'a besoin, il y a confiance, Nabino. Soki Bopé Singa confiance le 20 décembre. Nakosa la lissoutou yamingi. Boboye Bakke. Namanda Oyo. Nazmi. Forces armées de la République démocratique du Congo impulsées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la défense de l'intégrité territoriale n'est plus à négocier. Et puis ces deux interrogations, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance et que représente à l'échelle africaine les forces armées de la République démocratique du Congo? Élément des réponses avec Giscard Koussema. À son arrivée à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé une armée en déliquescence, les pays et ses dirigeants étant frappés par un embargo. Ayant fait de la sécurité une des priorités de son mandat, le commandant suprême des FARDC a pris une série de mesures pour redonner confiance aux vaillants militaires. Quand il prend ses quartiers au Mongalima, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va visiter ses voisins du Kanchachi, avec lesquels il va sceller une véritable proximité affective. Préoccupé d'améliorer leurs conditions de vie, le chef de l'État a entrepris une série d'actions sociales au sein des camps militaires, écoles réhabilitées, éclairage public assuré, cantines publiques restaurées et l'eau potable rétablie. Les camps militaires ont retrouvé leur prestige d'antan. Et pour couronner ces chapitres sociaux, le président de la République a offert au Kanchachi un hôpital général de référence au niveau tertiaire. Grâce à sa diplomatie agissante, le président Félix Tshisekedi a fait un plaidoyer auprès d'instances décisionnelles pour que soit levé l'embargo d'achat d'armes qui pesait contre la République démocratique du Congo. Sa voix a été entendue. Désormais, les FARDC peuvent se rééquiper en armes, munitions et autres effets militaires pour faire face à l'ennemi. Pour la première fois depuis l'époque coloniale, Félix Tshisekedi a donné à la République démocratique du Congo la loi de programmation militaire. Considéré comme le couronnement de la réforme au sein de l'appareil sécuritaire du pays, cette loi donne un peu plus de moyens aux FARDC qui sont gérés par un vice-premier ministre. Avec une ligne budgétaire de près d'$1 milliard par an, les FARDC sont en train de monter en puissance et prêts à sécuriser les frontières nationales avec ses 9 voisins. Pour bien combattre l'ennemi, il faut bien le connaître, dit-on. Face à une guerre de prédation de plus de 20 ans, le président Tshisekedi a permis au monde entier de connaître le vrai ennemi du peuple congolais. Aujourd'hui, les agendas cachés de certains groupes armés étrangers et leurs supplétifs congolais se révèlent au grand jour. Le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. Ceux qui s'attendaient au stratagème de brassage ou mixage pour infiltrer la République démocratique du Congo doivent déchanter. Tôt ou tard, ils seront vaincus par la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo et son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République
démocratique du Congo est désormais le 13e membre de Compact White Africa 2023. Une bonne nouvelle depuis l'Allemagne à Berlin où le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kyenge participe aux travaux du 4e sommet du G20 Compact White Africa. On fait le point avec Janine Kalenga, Patti Tondon Kizunda, Marcel Mubenga et Julien Piana. C'est avec succès que la République démocratique du Congo a participé au 4e sommet du G20 Compact Vive Africa 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kyenge a salué l'adhésion de la RDC à cette organisation et les performances réalisées dans l'atteinte de la 5e revue du programme économique. À l'issue du 4e sommet du G20 Compact Vive Africa 2023, la République démocratique du Congo devient désormais le 13e pays membre de cette organisation qui s'est imposé le dialogue et la coopération entre les pays africains orientés vers la réforme, les partenaires du G20 et au-delà. Avant de boucler sa mission à Berlin en Allemagne, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a eu une séance de travail avec la délégation du Fonds monétaire international conduite par sa directrice générale. Cette dernière a félicité le gouvernement congolais pour l'atteinte avec succès de la 5e revue du programme économique avec le FMI. C'est une grande première dans l'histoire de la RDC. Résumant sa mission, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a déclaré que l'adhésion de la RDC au G20 est le résultat des efforts engagés par le gouvernement depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus en représentation de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce sommet du G20 Compact with Africa. La particularité de la participation de la République démocratique du Congo, c'est cette adhésion qui a été annoncée par le chancelier fédéral, M. Scholz, pour dire que la République démocratique du Congo vient comme 13e pays membre du G20 Compact with Africa. Nous, pour nous, c'est un effort au contraire, parce que cette adhésion tient compte justement des performances des pays. Nous, nous sommes impliqués, en tout cas au niveau du gouvernement, et depuis l'avènement justement du président de la République, sur des réformes principales, notamment du point de vue de notre cadre macroéconomique, que nous avons voulu stable et résilient, et qui est resté au-dessus de la moyenne des pays subsahariens, ça veut dire au-dessus de 6. Les différentes rencontres bilatérales en marge de ces assises était une occasion pour le chef du gouvernement congolais Samalukonde d'appeler à plus d'investissements dans des secteurs novateurs où la RDC propose ses multiples ressources naturelles. Compact Vive Africa préconise un dialogue politique plus poussé, encourage la collaboration économique et avance sur des mesures concrètes pour stimuler l'investissement privé, la création des valeurs locales et la coopération dans les secteurs de l'énergie, y compris sur l'hydrogène au sein des pays membres. Médias et élections thématiques d'actualité développées lors de l'atelier des formations de journalistes et qui vise un renforcement des capacités opérationnelles des médias dans l'assainissement de l'environnement électoral. Des assises lancées par les rapporteurs de la CENI, Patricia Ntseya, Teti Samba et Jires Tofunje pour les reportages. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités opérationnelles des médias en vue de contribuer à l'assainissement de l'environnement électoral à travers un traitement efficient de l'information et une contribution à l'éducation civique électorale portée sur des valeurs républicaines. Organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES, ces travaux ont été lancés par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Ntseya Mulela, ce mardi 21 novembre 2023, à la maison des élections située dans la commune de la Gombe. Cette formation est d'une importance capitale parce qu'elle va, j'en suis convaincu, contribuer à la tenue des élections apaisées grâce à la qualité des formations qui est distillée avant, pendant et après les scrutins combinés du 20 décembre 2023. Dans le contexte électoral, il est de coutume dans tous les pays du monde que des règles particulières soient édictées à l'attention des journalistes
pour réglementer leur conduite pendant les trois périodes. Bien avant, le directeur pays adjoint de AFS, Rinon Kamidi, s'est félicité de la collaboration de toutes les instances existantes entre les deux instances engagées dans une mission commune. Il a confirmé que AFS continue d'apporter son appui technique à la centrale électorale dans différents volets grâce au financement de l'USAID. Les participants à ces assises vont être formés sur les thèmes transversaux des élections, cycle électoral, rôle et responsabilité des parties prenantes et leurs relations avec l'organe de gestion des élections OGE, genre et inclusion, éthique et déontologie des médias, couverture médiatique sensible au genre et à l'inclusion. La gestion des déchets à Kinshasa, véritable épine sous les pieds de l'exécutif provincial, la task force dans les secteurs de l'assainissement s'est réunie pour adopter une nouvelle approche dans les actions à mener. Dichala nous en dit un peu plus. À l'hôtel de ville de Kinshasa, devant les gouverneurs, Gentini Ngobilambaka, entouré de ses experts et les membres de la task force, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, a fait entendre que les données sur les déchets dans la capitale sont du domaine de l'interpellation de la conscience collective. 15 tonnes de déchets sont libérées par jour, dont 48% des déchets organiques, 11% de plastique, 3% de papier et carton, 2% de métaux, 4% de bouteilles et verres, 15% de terre et céramique et 17% d'autres matières. Le gouvernement provincial est ainsi appelé à jouer un rôle important dans l'exécution du projet de recyclage et valorisation des déchets dans la capitale congolaise, a ajouté Julien Paluku Kaungia, tout en insistant sur les stratégies innovantes. La ville de Kinshasa produit, selon une ancienne étude qui date de 10 ans, près de 10 000 tonnes de déchets. Et l'étude actualisée aujourd'hui nous ramène presque entre 15 et 16 000 tonnes de déchets par jour, ce qui est énorme. Et donc ça demande plusieurs acteurs pour devoir à la fois ramasser ces déchets, créer des décharges, mais aussi les traiter pour permettre à ce que ces déchets-là, comme a dit la ministre provinciale en charge de l'environnement, au lieu d'être des ordures, deviennent plutôt de l'ordure. Au cours de cette réunion d'évaluation du travail abattu par la task force, le gouverneur Gentili Ngobila a déclaré que son gouvernement est désormais instruit pour bien accompagner ce projet qui va métamorphoser la ville de Kinshasa. Nord Kivu, province minière mais aussi agricole, les routes d'intérêt provincial sont en pleine réhabilitation à l'image de la route Sake, Masisi et Walika. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. La pluie de ces derniers temps en territoire de Masisi cause une dégradation totale de la route dans ce territoire. Alerté par la population, le gouverneur ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, accompagné du directeur provincial de l'Office des routes Nord Kivu, de son conseiller principal en matière de reconstruction, maître David Kamua Moussoubao, des attributaires œuvrant sur cet axe, des membres de la coordination de la société civile Force Vive de Walikale, y a effectué une visite d'inspection afin de voir la partie concernée par les travaux qui vont y être mené sous peu. Et nous sommes venus nous-mêmes voir ce qui se passe sur le terrain exactement. Le gouvernement de la République vient de débloquer les fonds pour réhabiliter cette route. Ce que je peux dire à la population, c'est d'être un peu patient et dans peu de temps, nous allons voir le changement. Pour le directeur de l'Office des routes, l'ingénieur Papi Minga Malenga, cette deuxième phase des travaux va permettre l'ouverture de cette route jusqu'à Walikale. On se demande de l'autorité. Nous sommes venus faire l'inspection. Je crois qu'on est en train de se mobiliser. D'ici là, nous allons commencer. Il faut noter que c'est depuis le mois de novembre 2021 que le gouvernement provincial du Nord Kivu avait décidé de réhabiliter cette route d'intérêt provincial. Et trois sociétés, dont Premidis Construction, BMB et Simba Construction étaient engagés dans ces travaux. La coordination de la société civile Force Vive de Walikale salue cette descente du gouverneur qui s'inscrit dans leur plaidoyer. La présence nous réjouit beaucoup. Ça c'est de deux, nous aimerions que l'autorité puisse en tout cas faire les suivis rigoureux auprès de ces entreprises
auprès de ces jeunes entrepreneurs, notamment Prémibis, BNB et Simba Construction. Et pour nous, c'est une façon aussi de consoler la population. Une dizaine de véhicules restent stationnés dans le Bourbier près de la localité de Katale, Mitété, située à plus ou moins 12 km de Massissi Centre. Les programmes de développement des 145 territoires ont impacté sur le quotidien des Ituriens. Plusieurs ouvrages d'intérêt communautaire ont vu le jour sous la supervision du gouverneur militaire Johnny Luboya Kanchama. Junior Selemani a signé ces reportages. De l'abstrait au concret, le programme local de développement des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier un rêve devient aujourd'hui une réalité. Un programme de développement à la base. Au total, 35 infrastructures scolaires sont construites en territoire d'Irumu, Mambasa et Djougou, une province sous l'état de siège. Le territoire d'Irumu compte 13 infrastructures sociaux de base. Le gouvernement militaire de l'Ituri a réceptionné provisoirement ces mardi 21 novembre courant, trois infrastructures éducationnelles, dont l'école primaire Ridjumba, Ndaoumba, Achai et une école primaire à Bogoro. Ces bâtiments sont équipés, électrifiés et dotés de meubles pour un financement de plus de 600 000 dollars américains, un projet mis en œuvre par le bureau central de coordination au nom du commandant suprême de FARDC et de la PNC. Le gouverneur Luboya Kanchama Johnny a remis les clés aux responsables de ces établissements. Il a en même temps inviter les parents à veiller à la protection de ces ouvrages avant de prôner le pardon et la réconciliation pour le développement de la province. Toutes ces populations ont adhéré à la vision du chef de l'État. Puis là aussi pour rassurer les enfants qui vont aller à l'école, rassurer aussi les jeunes qui vont travailler, n'est-ce pas, qui vont rentrer dans leur ferme pour l'élevage. Ce que je peux leur dire, c'est garder vraiment ce bien pour que leurs enfants effectivement puissent en profiter le plus possible. Le grand merci que nous pouvons aussi, lui adresser, parce qu'il va venir, il sera là ce samedi, c'est faire quoi? Nous réconcilier et nous pardonner. Le chef de l'État a une grande vision pour cette province. Parlant au nom des bénéficiaires, une élève haït le mot juste pour remercier le géniteur de ce projet. Je remercie le chef de l'État congolais d'avoir nous construit un très beau bâtiment. Notons que le projet PEDEL 145 territoires évolue sans désemparer en Ituri depuis son lancement. Au total, 103 infrastructures scolaires, sanitaires ont déjà été construites et aussi deux bâtiments administratifs sont en cours de construction en Ituri. À cela s'ajoutent plus de 20 km d'asphalte de route dans le cadre de modernisation de la ville de Bounia, une œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Retour à Kinshasa pour parler de ces partenariats scellés entre la Radio-Télévision nationale congolaise et la Cour des comptes dans la vulgarisation du rôle et attribution de la Cour des comptes. Le numéro 1 de cette institution de contrôle du pays et Madame les directeurs de la Radio-Télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge Niembo, ont échangé sur les contenus à donner à ces partenariats. C'est un reportage de Jacques Gabois Bamougou, Minassé Douga et Raphaël Tsadi. Cette séance de travail a revêtu d'un cachet spécial pour la bonne et simple raison qu'elle a mis autour d'une table le mardi 21 novembre 2023 le directeur général de la Radio-Télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elenge Niembo, et le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka. Les deux personnalités ont examiné les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de renforcer le partenariat entre la RTNC et la Cour des comptes. Au sortir de l'audience, l'hôte de Madame la DG s'est confié à la presse. Et il était important que je vienne échanger avec Madame la DG. Parce que vous savez, la mission de la Cour des comptes, c'est de contrôler les finances et les biens de l'État. Et lorsque la Cour contrôle, elle est appelée ensuite à rendre compte, n'est-ce pas, de son travail. Et lorsque la Cour rend compte, évidemment, c'est à travers ce rapport, mais ce rapport-là doit être divulgué. Comme c'est pour cette raison-là que je suis venu voir Madame, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure mettre un cadre de concertation, un cadre qui va permettre la Cour des comptes de voir, n'est-ce pas, ses activités passer ici sur les antennes de la RTNC. Signalons toutefois que la Cour des comptes est la haute juridiction de contrôle des finances publiques de la République démocratique du Congo.
Ils sont tous anciens de la faculté de droit de l'université de Kinshasa et veulent, à travers la science apprise, participer à la réflexion scientifique sur l'avenir de la profession avocat. Ces anciens étudiants, aujourd'hui réunis au sein d'Optimiste, étaient en face des médias. Yolande Voka nous en fait les comptes rendus. Ils ont tous un dénominateur scientifique commun, la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Ces étudiants de la promotion 2015, réunis au sein de l'association Les Optimistes, poursuivent des objectifs précis, notamment la promotion de l'optimisme de jeunes dans le monde professionnel. Comme un symbole éparpillé dans différentes institutions du pays, les optimistes se sont engagés de s'unir dans l'optimisme. Leur sortie médiatique a été couronnée par cette conférence qui consiste à un partage d'expériences sur la planification et l'impact de l'épargne dans la vie associative. Ils ont également échangé sur quelques raisons fondamentales de la régression de vertu dans le milieu professionnel, cas de la justice en République démocratique du Congo, ainsi que la responsabilité citoyenne des ASBL dans l'encadrement de jeunes dans la promotion d'un état de droit. Nous allons propulser l'optimisme dans la création d'emplois. En implantant des fermes, par exemple, ça va faire à ce qu'il y ait des employés. En construisant les cités optimistes, ça va faire à ce qu'il y ait d'emplois également et de logements. Non seulement ça, nous allons mettre en place notre revue scientifique. Parce que dans tout ce que nous faisons, nous gardons toujours notre identité scientifique. Ces étudiants de la faculté de droit de l'UNIKIN, promotion 2015, ont resserré leurs liens à travers les réseaux jusqu'à tisser la toile qui a abouti aujourd'hui à la création de ces cercles et réflexions qui est optimiste. Une délégation américaine vient de boucler sa mission à Kinshasa et Kigali. Ses hauts responsables de l'administration Biden ont rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le lundi, peu avant d'entamer sa tournée électorale dans le Congo central. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre de leurs échanges. Kazo Kazadi et Giscard Koussema ont signé ces reportages. Ils sont arrivés en début de matinée de ce lundi 23 novembre à Kinshasa, à bord de cet avion militaire de l'armée américaine. Ces hauts responsables de l'administration Biden, conduits par Mme Avril Haines, la directrice de renseignement national américain, sont venus rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En raison de son agenda électoral chargé, la rencontre a eu lieu le même jour au salon présidentiel de l'aéroport international d'Injili. La chef de renseignement américain était accompagnée de Mme Molifi, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, de M. Jude, conseiller en matière de sécurité chargé de l'Afrique du président Joe Biden, et de l'ambassadeur Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Tous ces sécurocrates font partie du premier cercle d'influence de la Maison-Blanche. Ces émissaires de Joe Biden n'ont fait aucune communication sur l'objet de leur visite, mais à voir le format, il est clair que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au menu de leurs échanges. En présence du vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, du chef de la diplomatie, Christophe Lutundula, du porte-parole du gouvernement et des membres de son cabinet, le chef de l'État a fait part à ses hôtes de ses préoccupations liées au retour de la paix dans la province du Nord Kivu. Les États-Unis d'Amérique entretiennent un partenariat privilégié avec la République démocratique du Congo, accentuent la pression sur tous ceux qui entretiennent la guerre de prédation contre la RDC. Après Kinshasa, les McDonnell Douglas C-17 a pris les airs en direction des collines de Kigali. C'est la fin de ce journal de Suzingoy Chibouy réalisé par Papingina Mao et Patrick Djokoukou. Cédric Enina a concouru à sa rédaction. Merci à Patrice Oleka Verga Touanani et Espérance Kanjinga. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.